الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله. رحمنا الرب وإياكم أبناء المعمودية الغافرة، الآب والابن والروح القدس، أمين. قال الرب يسوع: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمر تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة. ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم حقا والأمان لجميعكم. Excellence, révérend père, Madame Florence Bertou, maire du 5e, Monsieur Charles-Henri d'Aragon, ambassadeur de l'ordre souverain de Marie au Liban, Monsieur Jean-Christophe Brossel, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, Madame Muriel Toumelou, adjointe au chef du bureau central des cultes, représentant M. Courtat, Monsieur le chargé d'affaires Gadi Khoury et Madame, Mademoiselle Roula Mourdi, Mademoiselle Majida Karaki, Monsieur et Madame Walid Munhara, Son Excellence Monsieur Khalil Karam et Madame Déléguée Permanente au projet de l'UNESCO,
Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez remerciés à cette occasion spirituelle et nationale pour votre présence parmi nous à cette messe solennelle et votre participation à notre joie. Nous sommes réunis ce dimanche autour d'un moine en aquarelle du 4e-5e siècle, un personnage historique communément reconnu comme le père spirituel de notre église maronite syriaque d'Antioche et le fondateur d'une voie monastique originale, l'anachorétisme, ou, s'il vous plaît bien, la vie en plein air, la vie hypète. Se fixant dans les entourages d'Antioche, Maroun accomplissait par la prière des miracles, et sa réputation se répandit dans la contrée et augmenta le nombre de ses disciples. Selon Théodore de Cyre, son biographe, la vie de foi de Maroun est caractérisée par la recherche inlassable du visage du Christ, comme le firent les évangélistes et toute la série des saints et des martyrs. Vers 405, Saint Jean Chrysostome, de son exil, se recommanda à sa prière. Il était de cette catégorie de chrétiens qui étaient ivres de Dieu, qui s'adonnait à la prière et à la pénitence dans une région que l'on appelle les villes mortes et qui est malheureusement vouée actuellement au pillage, à la destruction et à la merci des belligérants. Saint Maroun, que l'Église maronite fête donc aujourd'hui dans les quatre coins du monde et de qui elle tire son nom, s'est voué entièrement à Dieu. Dans sa recherche de la perfection chrétienne, il a montré que l'essentiel n'était ni les honneurs, ni la réussite, mais l'amour et le service des autres, mettant ainsi l'Évangile en acte et vivant en prière dans une grande liberté et une grande joie. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons cette fête de Saint Maroun cette année encore, alors que la question d'Orient n'a toujours pas trouvé une solution heureuse. Depuis quelques années, les peuples du Moyen-Orient continuent à vivre un drame continu, un siècle après le génocide des Arméniens et des Assyriens, un siècle pratiquement jour pour jour après la famine qui a causé la mort à plus d'un tiers des Maronites du Mont Liban en 1916. Les chrétiens sont contraints dans cette partie du monde à une sorte de repli. Leur existence, voire même leur présence, vacille entre la marginalisation
et la neutralisation d'un côté, et la persécution, voire même le transfert, de l'autre. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église maronite, qui est née de la prière de Maron, est invitée à prier et à réfléchir à partir de sa foi pour redécouvrir un aspect fondamental de sa vocation et de la transmission de cette foi. Car être maronite, c'est être appelé avant tout à la sanctification, à la recherche inlassable du visage du Christ, comme le firent les évangélistes, les synoptiques, le Christ des béatitudes, mais surtout celui de la passion. Quel message Saint Maron peut-il nous donner aujourd'hui? D'abord, sa fête est l'occasion pour ses disciples de renouveler leur attachement au vivre ensemble, au Liban, en Orient, mais également en Europe, et là où ils ont élu résidence. L'histoire démontre que malgré les facteurs de division et les guerres, le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans a été possible et reste toujours possible. Bien plus, il a son charme, car c'est une exigence internationale. Bien plus, une collaboration serrée entre les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, s'est révélée très bénéfique et très enrichissante à travers les siècles. Les fidèles de ces trois religions vivaient côte à côte à la Méditerranée médiévale, en collaboration, en échange mutuel, en contact et en complémentarité. Il est temps à présent que les consciences se réveillent en faisant cesser la guerre. Il est temps que les droits légaux des peuples soient reconnus et respectés. Il est temps de cesser la culture de la violence et de l'exclusion. J'appelle à la constitution d'un front international commun pour faire cesser les guerres et d'une coalition efficace pour mettre un terme au massacre et au génocide. Une force internationale juste est exigée illico pour séparer entre les belligérants. Si cette mesure de faire cesser la guerre n'est pas adoptée le plus rapidement possible, la situation va se retourner impérativement contre l'Occident. Et si les chrétiens d'Orient ont tenu bon 1400 ans avec l'islam, provoquant la renaissance arabe et leur lente ouverture à la modernité, je ne pense pas que l'Europe le fera aussi longtemps. L'Europe historique a eu un problème avec l'autre. Elle a fait l'expérience des croisades et des inquisitions contre l'islam et les infidèles. L'Europe historique a connu les guerres de religion et j'en passe. Malgré toutes les souffrances,
et les drames de l'injustice qu'ils subissent, les chrétiens d'Orient sont toujours prêts à refaire l'expérience du vivre ensemble avec les peuples du Moyen-Orient. C'est là où réside leur vocation et leur génie. Il y va de l'intérêt de l'Europe et du monde entier qu'ils restent auprès de l'islam arabe. Il y va également de l'intérêt du dialogue interreligieux. Leur vocation et leur mission, c'est d'établir un pont culturel, spirituel, politique et économique entre les deux mondes et d'œuvrer pour la paix dans le monde. Mais les Maronites et les chrétiens d'Orient, à l'occasion de cette fête patronale, ont plusieurs leçons à tirer également. Le grand danger qu'ils courent est certainement la division entre eux. Ou disons autrement, la non-solidarité entre eux. Ils cherchent en vain une cause qui les unit, qui dirige leurs efforts et qui motive leurs engagements. Au lieu d'être une richesse théologique, culturelle, économique et politique, leur diversité les disperse et les attache à des forces aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le peu que l'on puisse dire que ce qu'ils pêchent sans le savoir contre leur précieux patrimoine et donne quelquefois un contre-témoignage dans leur clientélisme, leur compromission et leur népotisme. C'est Antioche, Alexandrie, Constantinople et Jérusalem, les églises apostoliques, en communion avec Rome, qui doivent finalement nous réunir pour nous unir. C'est-à-dire notre appartenance à nos origines syriennes, araméennes et grecques et coptes, c'est-à-dire notre appartenance au Christ et à l'Évangile. L'héritage des églises apostoliques d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, ainsi que leur patrimoine, sont communs à toutes les églises d'Orient. Par ailleurs, chers frères et sœurs, si l'on croit que les persécutions de tous les côtés augmentent le flot considérable des réfugiés victimes pour fuir les massacres, la prison, la faim, la mort et toutes sortes d'exactions ou d'exterminations vont faire pour eux, vont faire peur aux chrétiens et vont les pousser à changer de religion, cela est pure chimère. L'Église n'a pas peur. Elle est habituée à ce genre d'incompréhension et de refus qui peut tourner en positif ecclésial de premier ordre. Elle est rodée, notre Église, déjà, depuis les premiers temps. Rappelez-vous la réflexion de Tertullien, le sang des martyrs n'est qu'une semence de l'Église. Cette Église tient bon par celui qui la fortifie et les persécutions augmentent du fait même le nombre des témoins et des martyrs. Peut-on parler d'espoir pour finir? L'espoir, on le retrouve auprès de nos saints, Marouf, Charbel, Rafka, Amtallah, Shara Abou Brah, Marie Alphonsine, Marie Bawardi et les autres. On le retrouve auprès des honnêtes gens, qui sont très nombreux. L'espoir, on le retrouve auprès de la jeunesse, prête à être bien encadrée et à temps
qu'elle soit inculquée les valeurs de l'Évangile. Les disciples de Saint Manon réclament pour eux et pour tous les autres le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la justice. J'implore enfin les grâces du ciel sur vous, sur vos familles, sur la France et sur l'Europe, mais également sur les peuples du Moyen-Orient, par l'intercession de Saint Manon. Et en votre nom, j'élève cette prière. Ô glorieux Manon, nous nous tournons vers vous avec confiance et abandon. Interviens pour nous ici présents, auprès du Seigneur tout-puissant. C'est sur votre intercession que l'Église maronite a basé sa confiance, couronné ses espoirs. Entendez ses prières